j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul Shein. Franchement, je suis trop contente. J'ai commandé des trucs que j'avais jamais commandé sur le site avant. Franchement, j'ai trop hâte. On se retrouve de suite. Alors, je vais vous montrer la taille du colis. C'est bon, vous êtes convaincus? J'ai juste ouvert pour être sûre que c'était ça. Regardez. Ah là 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 là. Incroyable. Alors, bon, je pioche au hasard. J'ai acheté, la boîte défoncée encore. J'ai acheté une lumière pour faire un effet coucher de soleil. Pour faire des photos. Oh, il est pas rose, il est noir. Bon, c'est pas grave. Ah, ça a l'air sympa. Voilà, donc ça se présente comme ça. Vous voyez à l'intérieur. Il y a plusieurs effets de projecteur. Je peux pas le brancher là pour vous montrer. Non. Donc, je vais regarder si je peux vous montrer, j'arrive. Bon, c'est bon, j'ai réussi à brancher, j'ai la télé à côté, j'ai branché sur la télé, ça marche parce que c'est en USB. Regardez, alors, hop, de loin, et plus on va loin, plus c'est... Ah, attendez, regardez. C'est trop, trop beau. Effet coucher de soleil, là. Franchement, j'adore. Dites-moi ce que vous en pensez. Là, on voit pas bien, mais... Celui-là, il est un peu foncé au milieu. Et après, c'est jaune. Et après, c'est orange. Je viens de me faire mal aux yeux. Oh. Voilà. Donc ça, je suis contente. Franchement, je pense que ça peut faire des beaux effets pour les photos. Ça a l'air vachement sympathique. Ensuite... Ah oui. Là, vous me dites, mais qu'est-ce que c'est? Attendez. Bon, je pense pas que vous allez être très intéressé par ça. Hein. C'est ma commu. Ma commu. Ne regarde pas forcément ça, mais en fait, c'est un truc pour nettoyer la voiture. Donc, voilà. Et ça, c'est pour mettre entre les trucs de... Des aérations, là, pour nettoyer la poussière. Voilà, je trouve que c'était pas mal. Donc, voilà. J'ai pris... C'est le truc le moins intéressant pour vous, là. Ensuite, j'ai pris chez Shiglam. Hop. Bien emballé, hein, ça. On ne peut pas le reprocher. Oh. Voilà. Alors... Oh, il est trop beau. Alors, c'est un eyeliner. Alors, regardez. Focus. Le style qu'il fait. Voilà. Trop joli. Et c'est un eyeliner. Comme ça. Voilà. Donc, hâte de le tester. Franchement, il a l'air sympa. Ça faisait plusieurs fois que je voulais le prendre, que je le prenais pas. Je me dis, ah non, j'en ai plein, je le prends pas, je le prends pas. Et au bout de 6 mois, je le prends. Ensuite, je vais faire... là, je pioche que des trucs qui sont pas vêtements. Donc, d'abord, je pioche les petits bidules, là. Et après, je fais les vêtements. Alors, j'ai acheté une station de charge à induction. Voilà. Alors, il est sympathique. Voilà. Comme ça. J'espère qu'il va bien marcher. Hein. Il est beau. Avec le téléphone là-dessus. Sympa. Et voilà, ça pour brancher. Voilà, je suis contente. Ensuite, qu'est-ce que c'est ce petit machin? Ah oui.
mini-cutter. Vous allez me dire, mais pourquoi t'as pris ça? Ben parce que je fais des arts créatifs et que c'est bien d'avoir un mini-cutter. Mais quand je vous dis mini, comment vous dire, là c'est le max, hein. Je suis au max. Voilà, en forme de nuage. Donc c'est vraiment pour dépanner quoi, le mini-cutter. Voilà quoi. Ça sert, j'en ai besoin, j'avais pas envie d'un cutter moche là, donc voilà, puis c'était pas cher. Ah, alors ça, j'avais hâte de tester. Pour une fois, alors, quand j'étais pas encore sur YouTube, il y a peut-être 2 ans, ou 2 ans et demi, j'avais commandé des lunettes sur Shein, et à chaque fois, les lunettes, elles étaient trop grosses pour ma tête. Genre, ça allait pas. Et là, j'ai voulu retenter l'expérience. Bon, elles n'étaient pas données pour Shein, mais j'espère que pour ce quand même ce petit prix, hein, faut pas se lamenter. Je ne sais plus comment on dit. C'est déjà très bien. Donc, elles sont comme ça. Alors, attendez, parce que c'était dans sa pochette avec le petit truc pour nettoyer et tout ça, c'était dans une pochette et les lunettes en elles-mêmes dans la pochette et dans cette pochette. Bref, alors les petites lunettes de soleil, j'espère que ça va m'aller. Oh, stylé, je trouve que ça va. Après, je me vois pas dans un miroir, mais dans le retour, ça donne bien. Hein. Ouais, ça, franchement, ça donne bien. Oui, bon, du coup, elles sont trop bien. Franchement, je sais pas si ça protège bien du soleil, mais franchement, j'aime beaucoup. Ça donne un style. Non, j'aime bien. j'aime bien. Ah, ça fait bizarre la vue maintenant. J'ai envie de les garder tout le temps. Bon, il n'y a pas de soleil aujourd'hui. Ah, quoique, si. Ce matin, il y avait des nuages, mais là, je vois des soleils. Des soleils. Oui, oui, c'est vrai qu'on a plusieurs soleils ici. Non, je vois du soleil, donc je pense que je vais les mettre aujourd'hui. Nickel. Ensuite, alors, des boucles d'oreilles noires et blancs transparents. Voilà, avec la boule qui se met derrière le lobe, là. Voilà, transparent noir. Ensuite, j'ai eu pour mon anniversaire des AirPods Pro. Et du coup, j'ai acheté des coques pour le protéger, quoi. Voilà. Donc j'espère que ça va bien marcher. C'est chelou. J'ai peur que ça marche pas. Voilà, donc un qui va avec avec la station de charge. Parce que les AirPods, ouais, voilà, les AirPods Pro se rechargent à induction. Donc du coup voilà, c'est pratique. Voilà, voilà. Alors, comment je vais ranger ça moi-même? Ça va retourner dans son truc. Hop. Et hop. Voilà. Ensuite, ah moi c'est à l'aveugle là, je balance la main. Ensuite, j'ai acheté des articles de bureau. Voilà. Voilà. Trop sympa, rose gold là, des trombones, des pinces documents là, je sais pas comment on appelle ça, ces pinces là là que vous voyez, ça là, il y en a des gros et des petits, je sais plus comment ça s'appelle, et des punaises, voilà, mais trop jolies les punaises, franchement sympathique, voilà. Ah, ensuite encore un cache AirPod par contre. De la même taille. Ah oui, c'est bon. J'ai eu peur. Je me suis dit pourquoi ils ont 2 tailles différentes. Alors. Eh ben, ça va finir par terre maintenant. Ah. Alors. Comme ça. Voilà. Ah, il y a ma tête. Allez, focus. Comme ça. Ah, voilà. Voilà. Et sur le côté là, il y a un petit truc qui s'accroche. Je sais pas pourquoi ils ont pas accroché direct.
Voilà. Mezzo piano, il est écrit. C'est un petit pendentif comme ça. Voilà, et ça vient se mettre. C'est un peu galère. Ah, voilà. Là. Et hop. Et voilà. C'est sympa. Ensuite, des boucles d'oreilles. Bien fermées dans le truc. Je sais pas comment je vais ouvrir ça. Il n'y a pas une ouverture facile? Non. Alors, on va sortir les fidèles ciseaux magiques de ma chaîne. Ici. Alors. Voilà. Ah, je suis coincée dans les ciseaux magiques. C'est la galère à ouvrir un peu. Ah ben, on aurait dit un sachet de parmesan, vous savez qu'on n'arrive jamais à ouvrir. Alors, mais pourquoi il y en a qui sont dans des sachets, il y en a qui sont pas dans des sachets. Pff, moi je comprends pas. Donc là, sans sachet dans le sachet, donc déjà dans le bon sachet. Et c'est ça la fermeture? Des trucs en caoutchouc? Ok. Des boucles d'oreilles. Non mais sérieux. À un moment donné. Ah voilà. Des boucles d'oreilles. J'arrive pas à vous les montrer. Comme ça. Voilà. Un peu violet rose. Ensuite. Excusez-moi, un peu de la même sorte mais pas la même forme. Et les petites boules que vous voyez là, ça va derrière le lobe et ça ferme ici sur la tige. Voilà. Et c'est incompréhensible. Et là, il y en a d'autres un peu moins déstructuré, vous voyez, un peu plus lisse, où on voit un petit peu plus que c'est violet. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 5 fermoirs en caoutchouc. Et pas un seul fermoir en fer dans ces boucles d'oreilles. Je sais pas, c'est un peu incompréhensible, mais bon, faut pas chercher. Ensuite, je vois plus d'accessoires. Est-ce que c'est fini? Ouais, je crois que c'est bon pour les vêtements. Nickel. Alors, il y a un gros truc au fond. Alors, là, 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 là. Ça. Coucou. Je ne sais pas comment on dit. J'en ai aucune idée. C'est des baskets. Ah là là, je l'ai trouvé trop belle. Ça faisait un moment aussi que je les voulais, mais voilà. Voilà la basket. Franchement, sympa. Hein, franchement sympa. J'aime beaucoup. Bon là, faut serrer. Ouf, ça sent fort. Ça sent. Vous savez, ça sent un peu comme l'alcool. Donc voilà, à l'intérieur, on va serrer, un peu effet chaussette, elles ont l'air très bien. Franchement, elles ont l'air très très bien. Non, franchement, j'aime beaucoup. Ah, là, il y a un défaut de fabrication. Il faut que je coupe le défaut de fabrication. Ah, mais là aussi, regardez. La couture, là, donc, elle est ici et... là, et là ici elle remonte dans le vide là. Et vous voyez ici, attendez, genre elle est bien cousue pourtant. Voilà, donc faut couper ça et j'ai sur les deux. Voilà, mais sinon dans l'ensemble, la matière j'aime beaucoup. Je vais les essayer aujourd'hui. Je vais les essayer. Voilà, je pense que je les essayerai avec une tenue. Parce que je crois que j'ai un ensemble, j'essayerai avec ça.
On verra après, hein. Alors. Ah. Trop sympa. Ah. C'est une veste, chemise assez fine. Enfin, fine, non, c'est épais. Mais je m'attendais à plus épais en fait. Voilà, rose, comme ça. J'aime beaucoup. En fait, je vous explique. J'ai acheté deux trucs roses là. Parce que à la rentrée. Je sais pas quand je sors cette vidéo. Peut-être que la rentrée est déjà passée. Je sais pas. Mais en gros, je vous explique à mon présent. À la rentrée, le jeudi suivant. Donc 21, 22, 23, 24. Voilà, 24. Donc peut-être aujourd'hui, qui sait, pour vous. À l'école où je fais mon stage, c'est la journée en maternelle rose où on doit tous s'habiller en rose, les élèves, les profs, les ATSEM, et on doit s'habiller tout en rose. Voilà, donc comme je n'avais pas grand-chose de rose pour l'hiver, j'ai pour l'été, mais pas pour l'hiver mi-saison. Donc voilà, j'ai acheté ça. Voilà. Je vous essayerai ça avec le truc juste après. Je vais essayer de trouver. C'est où? Je ne trouve pas. Ah voilà. Là. Voilà, je vais essayer le truc rose avec ça en même temps. Donc c'est un lot de 4 hauts différents. Donc voilà, je vais l'essayer avec le blanc. Alors, il y a un haut. Comment vous montrer? Comme ça, voilà. Donc ce haut-là. Donc lui, je vais l'essayer avec, la chemise rose pour vous montrer. Ensuite, oula, incompréhensible ce haut. Oula! Comment ça se met? Je ne sais plus. Oh là, j'ai un haut. J'ai un haut. Comment vous dire? Je ne sais plus comment il se met. Je ne sais plus. Je crois que c'est un haut qui se croise au néné, en fait. On le met et il se croise. Je crois que c'est ça. Et il y a des fils. Je ne sais plus, faut que je regarde sur le site. Je vous mets la photo si je trouve. Mais je suis pas sûre que je vais trouver. Donc voilà, ça je n'essayerai pas. Parce que flemme en fait, j'ai pas trop le temps. Voilà. Je filme cette vidéo un peu vite fait. En fait, je viens de recevoir le colis. Je me suis mis devant la caméra. Mais après, j'ai un rendez-vous. Ensuite, un haut comme ça là. Avec ça de chaque côté du cou. Enfin, c'est comme ça, hein, mais je galère un peu à vous montrer. Il y en a de partout. Enfin, voilà. Donc, celui-là, j'essayerai pas non plus. J'essaie vraiment que le blanc. Hein. De toute façon, si ça me va, les autres, je pense que ça me va. Hein. Et j'ai pris celui-là, noir basique. Donc, ça, je sais que ça m'ira. Voilà. J'ai oublié de vous dire la taille. C'est du XS. Voilà. Donc, 34. Et la chemise, je l'ai pris. Il n'y a pas la taille. Il n'y a pas la taille. XS aussi, 34, voilà. Donc, je vous essaye ça. Bon, désolé, j'ai la tête coupée, hein, mais ma caméra, je peux pas aller plus loin. Donc voilà. Calculez pas le bas, hein, c'est le bas de mon pyjama. Alors voilà le haut ici. Franchement, j'aime beaucoup. J'ai un soutien-gorge et on ne le voit pas là. On voit pas. Ben là, c'est bien caché. Franchement, j'aime beaucoup. Bon, le soutien-gorge, pas de cette couleur. Mais franchement, très très bien. Et la veste. Voilà, très très large, hein, très grand. Mais ça peut donner un style. Je trouve que ça va. Donc voilà la matière. Voilà, fausse poche. Hein. Fausse poche hein, pour le prix, faut pas trop demander. Hein. Donc voilà, j'aime bien.
Ensuite, je pioche un truc là. Ah, j'ai fermé le truc. Non. Tout va bien. Je sais plus ce que c'est. J'ai commandé ça, moi. Ça ressemble vachement à un truc que j'ai déjà... Ah, oula, ça va être grand pour moi, ça. Voilà. Bah, je vous essaye ça, mais je pense que ça risque d'être grand pour moi. Je sais pas, mais à regarder comme ça, j'ai l'impression que c'est grand. Mais voilà, il est quand même sympathique. C'est du XS. Ça doit en aller, hein, je pense. Après, souvent, les hauts, c'est vraiment le XXS qui me va. Hein, mais écoutez, on verra. Bon, voilà, attendez, je baisse un peu ça. Voilà, je m'attendais à pire sur celui-là. Franchement, ça va, il me va. Fallait pas plus grand, là. Ça aurait pu être un peu plus haut. Ouais, voilà, fallait pas plus grand. Je pense que ça passe. Peut-être tout seul, non, je sais pas. Je verrai cet été. Mais voilà. Franchement, ça va. Ensuite, ah là là, j'ai acheté chez le marchand Simply sur Shein. Simply est sur aussi AliExpress et c'est dans les mêmes prix que Shein, hein, c'est pareil. Donc là, j'ai pris un bas, un pantalon vraiment très bonne qualité, je le sens déjà. Voilà, un pantalon. Donc vous voyez l'étiquette Simply, hein. Voilà, Simply. Donc voilà la bête, donc comme ça, et très très large en bas. Voilà, avec les côtés comme ça. Il y a le pull qui va avec, mais j'ai pas pu l'acheter parce qu'il est en rupture. Du coup, bah... c'est pas grave, j'ai d'autres trucs qui vont avec. Mais dès que le pull est dispo, je le prends. Comme ça, j'ai l'ensemble. Parce qu'ils vendaient pas l'ensemble, bah ensemble. Ils vendaient séparés. Donc voilà. Bon, de base, je vous avais dit, je teste pas ce haut. Mais là, comme je mets ça, je teste. Donc déjà, ce haut-là, un peu grand pour moi, vous voyez. C'est pas ouf. Il aurait fallu que ça soit plus serré ici. Et là, comme ça, c'est un peu mal coupé. Après, c'est peut-être mon corps, hein. Mais voilà. Donc, j'aurais testé au moins ça. Ça m'intriguait. Et le pantalon. Attendez, voilà. Déjà, là, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Les fesses. Oh, il y a eu un bruit. Et là, je monte sur mon petit tabouret. Voilà, donc c'est froissé, évidemment, sinon c'est pas drôle. C'est épais, c'est confortable. Franchement, j'aime beaucoup. Par contre, c'est hyper froissé là, ça fait trop moche à la caméra. Et là, c'est comme ça. Donc c'est légèrement... ça touche légèrement par terre là, là actuellement. Mais selon les chaussures que je mets, je pense que c'est bon. J'ai des buffalo et tout, enfin voilà. Donc franchement, j'aime beaucoup... la qualité au top, sincèrement, je vous recommande, hein, qualité au top. Et voilà, bon bah ça, si vous êtes petite comme moi, un petit buste, pas celui-là, mais les autres, très bien. Mais bon, forcément, il y a lui dans ce lot, donc voilà, après, vous pouvez le donner ou quoi, mais voilà. Après, je sais pas si je le mettrai, je sais pas, je pense que c'est possible en vrai, hein, parce que regardez, c'est pas choquant, faut juste pas de soutif. Mais voilà, peut-être vraiment l'été au bord de la plage sur un maillot de bain, enfin voilà. Mais ça passe, ça passe. Ensuite, un pull rose. Oh là là, mais là il est plus... Oh, il est magnifique. Oh, la couleur. La couleur. Regardez, j'adore cet effet là en dessous des nénés, hein. Vous avez remarqué, hein, ça fait deux haul Shein que j'achète des trucs comme ça. Voilà, oh il a, oh, il a l'air confortable, oh, j'aimerais trop, j'arrête pas de faire oh oh. J'aimerais trop vous faire toucher la matière, elle est vraiment très 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 douce. C'est du S,
J'ai dû prendre S parce que ça me plaisait tellement que je le... Voilà, fallait que je le prenne. J'avais jamais regardé les trucs roses avant sur Shein. Genre, là, j'ai vraiment écrit vêtements roses. Voilà, pour vous dire. J'ai pas la... Le tissu, la matière, ce qu'ils me disent là. Élastane polyester. Oui, bah, comme tous les autres. Hein. Mais franchement, vous. La texture, franchement, incroyable. Là. Non, franchement, j'aime beaucoup. Alors là, vous imaginez pas. Bon, ouais, j'ai gardé ça, donc. Vous imaginez pas la douceur. C'est doux, mais c'est doux. C'est peut-être légèrement trop grand pour moi, mais pas ici, quoi. Les manches, c'est parfait. Ça tombe tout pile là où ça doit tomber. Là, bah, forcément, ce sera rentré dans le pantalon, parce que là, franchement, je ressemble à rien. Mais franchement, pas mal du tout, ça pas mal. Bon, je sais pas pourquoi, mon soutien-gorge, on le voit de partout. C'est un soutien-gorge avec un effet là, au-dessus. Ça se voit, hein, j'ai choisi le mauvais soutif pour la vidéo, moi. Donc voilà, non, franchement, j'adore, je suis très convaincue. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais franchement, c'est pas mal. Ensuite, ah, ça c'est un truc que je n'essayerai pas. Que je n'essayerai pas parce que c'est un sous-vêtement. Voilà, donc comment vous montrer? Et oula, ça a l'air très grand pour moi. Je pense que je vais le retourner. J'ai pas des nénés aussi gros, moi. Je pense que ça va être grand. Je pense que ça va être grand. C'est du 80B. Bah, c'est ma taille, je fais même du 85B donc. Ouais, je me livre à vous, hein. Moi je suis transparente. Hein. Ouh là là. Voilà. Le haut. Donc j'ai l'impression que c'est vachement grand. Ouais, c'est grand, c'est grand. Je vais l'essayer plus tard, mais c'est grand. Tout est grand là. Ouais, regardez. Il est beau, hein, il est magnifique. Hein. Il y a le bas qui va avec. Je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Il a l'air tout emmêlé. Mais ouais. Et la culotte qui va avec. J'ai l'impression qu'ils se sont trompés de taille quand ils m'ont envoyé. Et la culotte qui va avec, ça, je pense que ça devrait aller. Et encore. Non, ça devrait le faire, la culotte. Et voilà la culotte qui va avec. Mais voilà, j'essayerai pas en vidéo, hein, vous vous doutez bien pourquoi. Du coup, ensuite, je ne sais même plus quoi piocher. Ah, là, je pense que je vais tout essayer ensemble. C'est tout de la même couleur. Alors, là, j'ai je vais y arriver. J'ai un ensemble. Voilà, donc le haut. Voilà. Qui a l'air de très bien aller. Donc ça. Et je vais essayer les baskets avec cet ensemble. Et le bas qui va avec. Voilà. Qui a l'air très grand. Voilà. Donc c'est un jogging. Voilà. Donc je vous essaye ça de suite. Bon, voilà l'ensemble. Le haut, parfait. Chine petite, parfait pour moi. Bon, encore une fois, hein, le soutif qui se voit. Le bas, bon, un peu bouffant là, mais ça fait le style. Et attendez, je monte sur le tabouret. Alors, voilà. Le tabouret pas assez grand, ça donne comme ça. Je suis pas au milieu. Voilà. Et j'ai mis les chaussures avec le bas. Regardez. Je suis en équilibre, hein. Vous moquez pas de moi. Franchement, trop joli. J'aime beaucoup les chaussures. Franchement, elles tiennent bien aux pieds. Elles sont confortables. Non, franchement, c'est pas mal. Une, j'aurais pu serrer un peu plus. Mais ouais, c'est confort. J'aime beaucoup. Donc voilà.
Voilà, donc vous avez fait l'essayage du truc tout seul. Maintenant, par-dessus le... cet ensemble, voilà, je vais mettre ça pour voir ce que ça donne. C'est une veste, chemise. Bon, moi je trouve que c'est pas beau quand les boutons sont fermés. Les vestes comme ça, pour moi, faut que ça reste ouvert. J'aime pas quand c'est fermé. Hop, voilà. C'est un peu froissasse. Voilà. Donc, je vous essaye ça. Ah, il y a un fil là. Déjà, il y a un fil. Hop, mais ça va. Je vous ai pas dit la taille XS. Et... lui. XXS chez Chine petite. Voilà, important. Important, important, Chine petite. Du coup, j'essaye ça dessus. Et maintenant, je vais mettre la veste par-dessus. Tout en beige. Hein. Je sais pas si ça va. Non, je pense que ça va pas du tout ensemble. Là, faut peut-être fermer. Allez, on y croit. Cette veste, je la voyais beaucoup plus épaisse sur le site, je crois. Je sais, j'ai plus les photos sous les yeux, mais je crois que je la voyais plus épaisse. Mais je la trouve, à part les manches, là où je suis en train de toucher, le reste, je trouve fin. Je suis désolée, on ne voit pas beaucoup. Hein, on voit vraiment que mon corps. Mais j'ai pas l'option grand angle comme... enfin si peut-être, mais je sais pas. Sur mon téléphone. Et puis même le décor, ça ferait moche. Sinon vous verrez le mur blanc là et la télé là-bas. Donc c'est pas ouf. J'arrive pas à le mettre, hein. Voilà. Ouais. Bon. Ouais. Voilà ce que ça donne. Je sais pas, ça fait bizarre là. Voilà, c'est très très fin ici et ici. Vous voyez la fluidité du truc? Ouais, bon, ça va pas avec la tenue, hein. Ça fait très carré, je trouve. Mais voilà. Franchement, très sympathique. Et je pense qu'avec un jean et un haut simple, ça ira très bien. Et voilà. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Franchement, j'ai kiffé. J'ai adoré ce haul avec des grosses pièces. Franchement, pas mal. Bon, je parle de grosses pièces dans les vêtements. Parce qu'il y avait plein de petites babioles. Donc voilà. Non, franchement, je suis trop contente. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît. À liker cette vidéo si elle vous a plu. Et si vous trouvez qu'elle est linette sur moi... ça fait vachement stylé. Je déconne. Et voilà. Je vous incite. Ouais, je vous incite à activer la cloche pour être prévenu de mes sorties de vidéos. Voilà. Bye bye.